l'infarctus du myocarde, manifestation potentiellement mortelle d'une série d'altérations inflammatoires dans la paroi des artères coronaires. C'est l'une des premières causes de mortalité dans les pays occidentaux. La parodontite et les autres processus inflammatoires de la cavité buccale peuvent-ils contribuer à l'apparition des maladies cardiovasculaires ou de pathologies systémiques comme l'athérosclérose ou le diabète, ou bien les aggraver? Parodontite, la présence d'un biofilm bactérien à la surface des racines, déclenche une réaction immunitaire et inflammatoire. Des cellules de l'inflammation infiltrent le tissu conjonctif et l'épithélium de poche s'ulcère. La surface du tissu conjonctif exposé au biofilm sous-gingival dans ses plaies peut aller de 5 cm² à 20 cm², la taille de la paume de la main. À travers le tissu conjonctif exposé, les bactéries du biofilm parodontal pénètrent dans les vaisseaux sanguins de la gencive à chaque fois que l'on mange ou que l'on se brosse les dents. Des médiateurs pro-inflammatoires sécrétés localement passent eux aussi dans le sang. À partir des vaisseaux locaux, bactéries et médiateurs de l'inflammation se propagent dans tout le corps, menaçant l'intégrité des organes internes et structures vitales de l'organisme. La parodontite n'est donc pas seulement un problème local, mais peut avoir des effets systémiques, même à distance, sur des sites éloignés de la cavité buccale. Certaines bactéries, comme Porphyromonas gingivalis, possèdent des structures de surface spécialisées, appelées fimbriées, grâce auxquelles elles peuvent se fixer aux cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins et y pénétrer. Bien cachées à l'abri du système immunitaire, les bactéries survivent, persistent et se multiplient dans les cellules, infectant d'autres cellules endothéliales. Des récepteurs tels que TLR2 et TLR4 détectent les bactéries. Les cellules endothéliales sont alors activées et sécrètent des cytokines et chémokines pro-inflammatoires telles que la protéine chimiotactique des monocytes MCP1. Les cellules endothéliales expriment à leur surface des molécules d'adhérence cellulaire vasculaire, VCAM, et d'autres protéines d'adhérence. Elles attirent les monocytes qui se lient aux cellules endothéliales. Des cascades de signaux sont induites à l'intérieur de la cellule, provoquant l'apoptose de certaines des cellules endothéliales infectées. Cette dysfonction endothéliale est le premier stade de l'athérosclérose. L'élasticité des vaisseaux sanguins diminue. L'étape suivante de l'athérogenèse est la formation de ce que l'on appelle les stries lipidiques. Les monocytes migrent dans la paroi vasculaire, se différencient en macrophages et absorbent du cholestérol LDL oxydé, se transformant en cellules spumeuses. Les bactéries parodontales comme P. gingivalis peuvent favoriser la formation de stries lipidiques en augmentant la migration des monocytes,
l'oxydation du LDL et l'absorption de LDL oxydé par les macrophages. Les cellules spumeuses rentrent progressivement en apoptose et forment un noyau nécrosé dans la plaque d'athérome. Les cellules musculaires de la lamina media prolifèrent et migrent dans l'intima avec des lymphocytes T et d'autres cellules immunitaires. Il se forme finalement une plaque d'athérome mature qui réduit la section du vaisseau et provoque une hypoperfusion et une hypoxie des tissus irrigués par celui-ci, par exemple du cœur dans le cas d'une artère coronaire. Les complications potentielles peuvent être aggravées activement par les propriétés uniques des pathogènes parodontaux, qui favorisent la formation de métalloprotéinases de la matrice par les lymphocytes T et d'autres types de cellules. Ces protéases dégradent peu à peu le tissu conjonctif et finissent par fragmenter la plaque d'athérome. Des plaquettes se fixent rapidement au site de rupture, maturent et coagulent pour former un thrombus. Celui-ci réduit encore la lumière déjà réduite du vaisseau et peut même l'obstruer complètement, causant des événements cliniques tels qu'un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Les cytokines sécrétées par les cellules endothéliales déréglées agissent au niveau local, mais passent aussi dans la circulation pour atteindre d'autres parties du corps. Les bactéries en circulation et leurs lipopolysaccharides induisent la formation de protéines de phase aiguë comme la protéine C réactive, CRP, dans le foie. Les transmetteurs provoquent à leur tour une inflammation systémique qui peut favoriser tous les stades de l'athérogenèse. L'inflammation systémique déclenchée par la parodontite peut aussi affecter la régulation du taux de sucre sanguin, la glycémie. En temps normal, les récepteurs de l'insuline sur la membrane cellulaire détectent la présence d'insuline dans le sang. Quand l'insuline se lie à ses récepteurs, une cascade de signalisation est déclenchée dans la cellule et peut activer des transporteurs du glucose. Le glucose peut ainsi passer dans le sang après un repas pour pénétrer ensuite dans les cellules où il est transformé en énergie ou stocké. En cas d'inflammation systémique, les médiateurs de l'inflammation, les radicaux libres et les protéines de la phase aiguë, perturbent ce mécanisme de contrôle. Ils inhibent les récepteurs de l'insuline et réduisent l'absorption du glucose par la cellule. Les cytokines, comme le facteur de nécrose tumorale alpha, TNF-alpha, et l'interleukine 6, IL-6, dont les taux sériques sont nettement augmentés dans les infections parodontales, semblent jouer un rôle particulier dans ce processus. La protéine de phase aiguë CRP, induite par ces médiateurs, est également importante. En cas de parodontite sévère, la glycémie peut se dégrader significativement au fil des années, même sans diabète. Il existe un risque d'apparition d'une résistance à l'insuline.
Si le sujet est déjà diabétique, la présence d'une maladie parodontale sévère non traitée peut rendre encore plus difficile le contrôle de la glycémie et augmente fortement le risque de complications rénales et cardiaques du diabète. A l'inverse, certains mécanismes du diabète peuvent contribuer à la dégradation de la santé parodontale du patient. Notamment la réaction de Maillard. Il s'agit d'une réaction de liaison non enzymatique des sucres aux protéines. Par exemple, le glucose du sang se lie à l'hémoglobine des érythrocytes. Le pourcentage d'hémoglobine glyquée A1C, HbA1c, est un paramètre important pour le diagnostic et la surveillance du diabète, qui reflète le contrôle à long terme de la glycémie. Si l'hyperglycémie persiste, d'autres protéines peuvent aussi subir une glycation et être transformées en produits de glycation avancée ou AGE. Les AGE sont irréversibles et participent aux mécanismes physiopathologiques favorisant de diverses manières l'apparition et la progression des maladies parodontales dans le diabète. Ainsi, il se lie par réticulation aux fibres de collagène des tissus conjonctifs. La membrane basale s'épaissit alors et la dégradation de la matrice extracellulaire est inhibée, ce qui empêche les processus physiologiques de réparation tissulaire et de cicatrisation, y compris dans le parodonte. On sait également que les AGE sont reconnus par un récepteur de signalisation qui porte le nom de RAGE, présent sur de nombreuses cellules du corps humain, notamment les monocytes et les cellules endothéliales. La liaison des AGE au récepteur RAGE provoque entre autres la production de radicaux libres et de cytokines pro-inflammatoires. Ceci favorise l'inflammation parodontale et aggrave la destruction des tissus parodontaux en exacerbant la réaction inflammatoire et en limitant la réparation des tissus. Un large ensemble de preuves montre que l'inflammation et infection du parodonte constituent un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Dans le cas du diabète, les preuves suggèrent une interaction réciproque avec des effets de rétroaction. Un traitement efficace de la parodontite peut donc contribuer à améliorer non seulement la santé bucco-dentaire, mais aussi celle de tout le corps. Certaines études ont ainsi montré que l'ampleur de la dysfonction endothéliale, première étape de l'athérogenèse, peut être réduite de manière cliniquement mesurable. De nombreuses études ont aussi montré une amélioration de la glycémie moyenne et une baisse de l'HbA1c après un traitement parodontal efficace. Et certaines suggèrent même des améliorations des profils lipidiques, donc un meilleur contrôle global du diabète. Ces deux effets ont ceci en commun qu'ils réduisent la concentration de médiateurs pro-inflammatoires dans le sang. Il s'agit là d'une étape importante pour briser le cycle auto-entretenu de l'inflammation dans l'organisme.